Oui, bon bah je vois bien que vous êtes en train de juger la taille de mon mug, mais en même temps, à défaut d'avoir le droit à la visite du Père Noël IRL cette année, bah je me suis trouvé le mug le plus insoutenablement gros et épais et large pour contenir le plus de thé possible, histoire de me remettre de cette déception. Et avec sa tête dessus, comme ça j'ai l'impression qu'il est un peu avec moi quand même. Petit strudel au maroilles et quel citron, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dimanche pour terminer, j'allais dire en beauté, mais c'est peut-être un poil présomptueux, en tout cas avec bonne humeur et avec entrain, cette semaine de vidéos qui a été initiée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire, qui pour la deuxième année consécutive a remis le couvert avec son concept des booktubeurs Fête Noël. Et donc toute la semaine, vous avez eu le droit à une vidéo par jour sur la chaîne d'une booktubeuse différente qui vous présentait son coup de cœur de l'année. Et là Manon, je te présente mes excuses publiques et sincères, puisque j'ai vraiment joué à l'enfant passage, tu vois, celle qui va être boudée par le Père Noël, celle qui va voir ses chaussettes au bord de la cheminée totalement vide. À la limite, j'aurais une clémentine en souvenir du bon vieux temps, mais je pense que j'ai un peu ruiné le game parce que j'ai décidé de ne pas présenter un livre mais plusieurs, histoire de balayer un petit peu ensemble eh bien certaines lectures qui m'ont marqué cette année, pas toutes bien évidemment, mais histoire de vous donner peut-être plusieurs ambiances, plusieurs atmosphères, plusieurs univers qui peuvent vous plaire, peut-être pour des cadeaux de dernière minute pour vous ou pour vos proches, histoire de changer un peu les idées, et on y va tout de suite. Histoire de se mettre en jambe, je vous propose qu'on attaque avec le dernier contemporain qui a allumé des petites loupiottes de Noël dans mes rétines, et il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Farguéton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Avec ce roman choral, on va être les témoins bouche bée du talent de l'autrice pour tirer les fils du destin de ses personnages et les tisser en une magnifique fresque qui est vraiment sincère, émouvante, lumineuse, tendre et bouleversante, dans laquelle on va suivre Titouan, qui est un adolescent somme toute très banal, jusqu'au jour où il va décider de ne plus sortir de sa chambre et de rester dans cet environnement qu'il connaît, qu'il maîtrise, dans lequel il se sent en sécurité. En parallèle de ça, on va également suivre les turpitudes d'Alix, qui est une adolescente passionnée par le théâtre, qui ne vit que pour ça, qui vibre à chaque fois qu'elle met les pieds dans sa classe pour préparer des pièces, pour se mettre en avant, pour faire de l'improvisation. Et elle est la fille du non moins attachant Armand, qui est un musicien émérite qui a mis de côté toute ambition ou toute volonté personnelle pour s'occuper de sa fille le jour où sa femme l'a quittée, sans trop prévenir, sans trop s'annoncer, et qui depuis n'est jamais revenue dans leur vie. Et comme si ça ne suffisait pas, on va également faire la connaissance de Luce, qui est une femme d'un certain âge qui a perdu son mari il y a 2 ans, et qui n'arrive plus à s'accrocher à la vie et essayer de faire face à cette absence qui la ronge, qui lui pèse, et à laquelle elle veut vraisemblablement mettre un terme. Pris indépendamment, tous ces personnages, ils ont des failles, des blessures, des cassures avec lesquelles ils essaient de composer, et on va les suivre dans cette farandole d'émotions, de sentiments. Et vraiment, si vous n'avez pas le moral, si vous vous sentez l'âme un peu en peine, n'hésitez pas à plonger tête la première dans À quoi rêvent les étoiles, je pense que ce voyage vous fera du bien. Si comme moi vous avez légèrement, mais vraiment légèrement perdu foi en l'humanité pendant cette année 2020, je vous propose un roman graphique qui devrait peut-être vous redonner un sursaut d'amour et d'allant pour vos semblables avec l'extraordinaire et bouleversant À la vie de l'homme étoilé, publié aux éditions Kalman Levy. Si vous n'en avez jamais entendu parler, l'homme étoilé, c'est un infirmier qui travaille dans une unité de soins palliatifs et qui a commencé à dresser des portraits de certaines de ses rencontres qu'il a pu faire au détour d'une chambre, au détour d'un couloir, avec ces personnes qu'il a pour mission d'accompagner du mieux qu'il peut, tout en essayant de trouver le juste dosage entre attachement, dévouement et en même temps cette espèce de recul nécessaire pour ne pas être brisé à chaque fois que l'une de ces personnes disparaît. Et c'est juste tellement brillant, tellement beau, tellement lumineux, tellement tendre, honnête, franc, que j'ai été juste bouleversée de A à Z. Je vous préviens, vous allez avoir besoin de mouchoirs, mais c'est pas du tire-larmes misérabiliste. On n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières sans arrière-pensée, on est là juste pour un effet cathartique, pour nous rappeler que la vie c'est aussi la noirceur, et en même temps on peut tirer de la lumière de chaque élément, et quand on n'y arrive pas, c'est pas grave, et c'est juste quelque chose d'extrêmement cathartique, très 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 beau, à mettre entre toutes les mains. Vraiment, j'ai une tendresse débordante pour cet homme, pour son travail et pour ses œuvres. Et si jamais vous êtes convaincus, sachez que le deuxième volume sort fin janvier. Histoire de se remettre un petit peu d'aplomb, puisque je pense que nous sommes toutes et tous légèrement émotionnés si nous connaissons ces livres, je vous propose d'embarquer pour un univers de fantasy qui va nous faire rêver à de l'ailleurs, à du différent, à du dépaysant, avec l'extraordinaire Bord de Terre de Juliette Évenot, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime, bien sûr.
Non, vous me pensiez bien que j'allais pas parler de mes coups de cœur 2020 sans mentionner Bord de Terre quand même, V. Pire imitation d'accent de l'espace, j'ose même pas vous dire ce que c'était parce que je pense que personne n'a reconnu. Je me fatigue, donc je vais reprendre mon bon accent parisien pour vous parler de cette lecture qui a été vraiment une excellente rencontre totalement inattendue, qui met en scène Inès et Tristan, un frère et une sœur, qui sont en train de faire du camping pendant les vacances avec leurs parents, et ils vont remarquer un étrange scintillement pendant qu'ils baladent le chien un petit peu plus loin dans la prairie, et ils vont se rendre compte que ce scintillement est en fait un déchirement du voile qui sépare notre monde d'une autre réalité dans laquelle se trouve Bord de Terre, qui est une cité un petit peu étrange dans laquelle il plane un petit air de révolution à base de systèmes de magie assez uniques, avec des trouvailles narratives et visuelles remarquables. Moi j'ai été totalement fascinée par ce bouquin, et si vous avez envie de dépaysement, si vous avez envie de personnages qui sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir, et qui sont vraiment nimbés dans toutes les teintes de gris possibles puisqu'ils ne sont pas manichéens, ils ne sont pas forcément intrinsèquement mauvais ou fondamentalement bons, il y a vraiment des nuances en chacun d'eux, et j'ai beaucoup aimé voir cette histoire que j'ai vraiment pas envie de dévoiler plus avant, mais si jamais ça vous intéresse, je l'avais chroniqué assez ardemment dans un update lecture que je vous remettrai dans le petit si vous voulez plus d'éléments, mais vraiment n'hésitez pas à lui faire confiance, sa beauté n'a d'égal que sa capacité à nous déstabiliser. Et comme cette petite poignée de coups de cœur est en train de se transformer en un amas très pesant, on risque de tous avoir les poignets claqués à base de canal carpien. Donc maintenant, on n'est plus à une digression près, je pense que tu me pardonneras. Et je glisse comme ça l'air de rien, puisqu'on parle de fantasy. Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, publié chez Bragelonne dans la collection Big Bang. Et bien entendu, pour votre tranquillité d'esprit, si vous êtes sur cette chaîne depuis longtemps, je vais m'abstenir de trop en parler puisque je vous ai saoulé la tête dans pratiquement toutes mes vidéos entre le tome 2 et le tome 3. Mais si vous aimez les complots politiques, les personnages divers, assez badass, vraiment une intrigue qui prend son temps et qui gagne en intensité, et une trilogie dans laquelle chaque tome est meilleur que le précédent, qui se bonifie comme le vin avec l'âge, n'hésitez pas, vraiment, c'est de la bombe, de la bombe, de la bombe. Et si vous n'en avez vraiment jamais entendu parler, c'est l'histoire de Amalia Cornaro, qui est la fille d'une éminente figure dans le système politique de Ravera, qui est un royaume vraiment bien installé dans lequel les mages sont embauchés de force dans l'armée impériale. On leur passe un jonc magique au poignet pour contraindre leur pouvoir et faire en sorte que ce soit un soldat de l'Empire qui puisse libérer ou non cette puissance magique, donc les deux font équipe au fur et à mesure de leur vie, et notre héroïne Amalia n'a donc absolument pas le droit de prendre part à ce système militaire puisque sinon il y aurait conflit d'intérêts, sauf qu'en allant se balader pour chercher un livre dans un quartier plutôt malfamé, elle va tomber sur l'une des rares sorcières du feu encore vivantes. Et malheureusement, cette dernière est en train de cramer gentiment tout le quartier puisqu'elle a été prise en chasse par des personnes peu recommandables. Et donc Amalia ne va pas avoir d'autre choix que de lui passer le fameux jonc au poignet, et ça va être le début d'un emmerde, parlons franchement. Bon, et puisqu'on parle de personnages qui sont dans des situations vraiment peu enviables, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette grosse claque graphique qui m'a juste laissé édenter comme ça, limite baver, le regard hagard, à 23h quand je l'ai terminé, à devoir pleurer dans l'oreille de Paper Palace sur Instagram parce que c'est elle qui l'avait recommandé et que j'avais juste ça comme option, ou alors avaler une boîte de Valium pour m'en remettre. Et je vous parle bien entendu de Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, publié aux éditions Glénat. Et histoire de vous mettre tout de suite dans l'ambiance, on va suivre Lubin, qui est un mec qui partage sa vie entre sa troupe itinérante avec laquelle il prépare un spectacle et un job alimentaire qui est somme toute très basique, dans lequel il s'investit pas du tout, c'est vraiment juste histoire de vivoter, de se laisser porter par le flot. Et sa vie se passe plutôt pas trop mal, jusqu'au jour où, en allant se coucher, il ne s'attendait pas à se réveiller, non pas le lendemain matin, mais le surlendemain, sans avoir aucune idée d'où est passée cette journée manquante, et réaliser en parlant avec son entourage qu'en fait, il n'a pas juste dormi pendant 24 heures, mais que quelqu'un a pris possession de son corps, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas comment, et qu'il a passé cette journée du coup sous les traits de Lubin, et petit à petit, ce phénomène va devenir de plus en plus fréquent, et au fur et à mesure s'intensifier, pour le faire plonger carrément dans l'horreur. Je ne vous en dis pas plus, mais alors c'est très psychologique, ça va faire monter en tout cas, je pense, pas mal d'émotions et d'angoisse en vous, mais c'est vraiment un tour de force de Timothée Le Boucher, qui est en plus un jeune BDiste, donc penchez-vous sur cette bande dessinée, sur ce roman graphique qui est époustouflant de maîtrise, c'est beau, c'est embarquant, vraiment, moi ça m'a fait passer par tout un spectre d'émotions, et j'ai adoré le crescendo qui est ménagé par l'auteur, c'était
magistral, vraiment un incontournable de mon année. Et parce que je vous assure que je ne suis pas une mauvaise personne qui essaie de vous démoraliser à tout prix pour que vous vous jetiez sur les papillotes ou sur la bouteille de vin rouge avec Tonton Jean-Eudes, non, vraiment, je vous propose le premier tome de l'adaptation en manga d'un roman qui, à mon avis, est un doudou pour bon nombre d'entre nous. Il s'agit de Fangirl, qui est donc écrit par Rainbow Rowell. Ça a été adapté par Sam Max et illustré par Gabi Nam. Si jamais vous ne connaissez pas, mais alors je vous invite très chaleureusement à vous pencher sur la question, puisqu'on va suivre Kat, qui va débarquer sur le campus avec sa sœur jumelle, et là où elle espérait pouvoir continuer à vivre dans leur petit cocon, où elles seraient toutes les deux très fusionnelles, à partager une chambre, à continuer à écrire leur fanfiction autour de Simon Snow, qui est bon an mal an notre équivalent de Harry Potter. La jeune fille va très vite déchanter puisque sa sœur veut profiter à fond de l'expérience universitaire et elle va se trouver une chambre avec une coloc, et Kat va devoir composer avec Megan, qui va donc partager son quotidien, et Levi, qui semble être un pote très débonnaire, très enfant, très solaire, qui passe son temps dans leur chambre, et ça va être le quotidien de cette jeune femme qui va essayer de rentrer dans un nouveau quotidien. Ça va être compliqué entre les cours d'écriture qui vont beaucoup la challenger et devoir nouer des liens dans cette immensité, dans ce campus hyper foisonnant, et c'est très chouette. Donc vraiment, c'est entrecoupé de passages de cette fanfiction, donc dans l'univers un peu magique d'un élu qui est plus ou moins amoureux de son colocataire, donc bref, vraiment vous avez énormément de thématiques qui sont regroupées comme ça dans un bon gros chamallow chocolat chaud, et si vous avez le moral mais en baisse, lisez ça, ça va vous le remonter directement. L'adaptation en manga est très réussie, vraiment. Je crois même que je l'ai encore préférée au roman, donc n'hésitez pas à vous pencher sur la question. Pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais, mais il n'est pas impossible que ça change dans les mois à venir. Et parce que je peux très facilement imaginer Manon en train de fuminer derrière son écran et de se dire « mais pourquoi j'ai pas des pouvoirs magiques pour juste faire tomber sa caméra en panne et l'empêcher de parler ?» Je vais conclure cette vidéo avec mon livre favori de l'année 2020. Donc je suis désolée, je ne pouvais pas parler de mes coups de cœur sans vous parler de celui-ci, mais en même temps, si je m'étais contentée de celui-là, comme on le voit partout en ce moment, que j'en ai fait une vidéo où visiblement j'ai assez donné de ma personne puisque vous avez été hyper nombreux et nombreuses à l'acheter après l'avoir vu, donc je vous la remettrai dans le petit si vous voulez mon avis très à chaud, très à fleur de peau, et bien n'hésitez pas à aller la voir, et je me contenterai de rappeler votre bon souvenir même si vous le voyez partout sur Instagram. Anne de Green Gables, écrit par Lucie Maud Montgomery et publié chez Monsieur Toussaint Louverture, bien évidemment. Et pour essayer de rendre un minimum justice à cette merveille sur laquelle je pourrais épiloguer sans mentir entre 3 quarts d'heure et 1 heure sans discontinuer, je me contenterai de vous dire que quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi que vous pensiez, quel que soit l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez, Anne de Green Gables vous fera forcément du bien, puisque cette héroïne, c'est la personne qu'on rêve tous d'avoir dans notre vie, voire même je pense que c'est la personne que j'aurais aimé devenir, parce qu'elle est lumineuse, elle est solaire, elle est franche, elle est enjouée, et surtout elle a un prisme qui lui permet de voir la vie de façon plus belle, plus intense, plus dramatique, plus ensoleillée. C'est vraiment une tornade de fraîcheur, de vigueur, d'enthousiasme et d'émotion qui vient souffler dans la vie de Matthew et Marilla, qui sont donc un frère et une sœur d'un certain âge, qui décident d'adopter à la base un petit orphelin pour les aider au champ, sauf qu'il va y avoir un quiproquo et va débarquer cette petite fille dégingandée, très mal attifée, très grande, assez maigre, avec ses cheveux roux et surtout sa langue extrêmement bien pendu, et il va suffire d'un trajet en calèche pour que Matthew tombe totalement sous le charme de cette petite fille à qui il est arrivé pourtant des choses moches, puisque ses parents sont morts quand elle était encore qu'un bébé, et depuis elle a été traînée de famille d'accueil en famille d'accueil dans lesquelles elle servait juste de main d'œuvre bon marché, qui était corvéable à merci et battue. Donc vraiment on se demande comment est-ce qu'elle n'a pas été brisée par cette enfance juste sordide, et pourtant non, ça ne l'empêche pas d'être juste une leçon d'optimisme permanente, et j'ai adoré suivre son évolution, j'ai adoré absolument tout dans ce roman. Et une fois encore, je vous remettrai ma chronique dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir, parce que sinon je ne lui rendrai pas hommage à sa juste valeur. Mais si vous cherchez un cadeau à faire, offrez-le vous, offrez-le autour de vous, parce que c'est répandre l'amour, la joie et la bonne parole autour de vous, donc je pense qu'en cette période de fin d'année, c'est plutôt pas dégueulasse. Et c'est sur cette note que je vous propose de clore la vidéo. Donc Manon, encore un immense et chaleureux merci à toi de m'avoir inclus une fois encore dans
dans ce très beau projet des booktubeurs Fête Noël. Je suis ravie de clore cette chaîne de booktubeuses que j'aime tout particulièrement. Donc merci infiniment, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous aurez fait de très jolies découvertes tout au long de cette semaine et que cette clôture sera à la hauteur de ce que vous avez pu voir tout au long de cette expérience. Moi je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!